le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ça me tentait de filmer une vidéo. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, qu'est-ce que tu veux filmer, Sarah Maud? Puis écoute, au début, j'en avais aucune espèce d'idée. Mais là, ça doit faire à peu près un mois et demi, que, ben, depuis que je travaille, dans le fond, écoute... Ben, je dépense, ok? Puis, je me suis comme un petit peu ruinée depuis les derniers mois. Et écoute, j'ai fait des dommages. Fait que, dans le fond, j'avais le goût de vous présenter un peu mes achats. J'ai pas acheté ça tout d'une batch, en fait, parce que sinon je me serais ruinée. Mais j'ai acheté ça en coups de petits morceaux. Donc avant de commencer, si c'est pas déjà fait, ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu. À cliquer sur la cloche de notification, comme ça, ça va juste tout le temps t'avertir quand est-ce que je publie une vidéo. À faire un thumbs up. Et sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Ho ho ho! Écoute, moi dans le fond, dans la vie, je tripe vraiment, mais vraiment beaucoup sur les bas avec des motifs assez spéciaux. Écoute, moi je suis pas capable d'avoir des bas straight noirs. Je trouve que ça marche pas. Fait que moi, il me faut des petits dessins dessus, des petites affaires, tu sais. Quelque chose de joli. Et écoute, ben je me suis gâtée. Les premiers, je pense que c'est comme mes préférés. C'est des bas bleus, Snoopy. Mais dans le fond, c'est des petits bas bleus. Puis tout le long, on voit Peanut, je pense qu'il s'appelle le même avec la fille. Pis ben ça a l'air qu'ils se font lancer le ballon dessus, j'ai pas trop compris c'était quoi. Mais je trouvais ça pas mal cute, j'aime le bleu pis je trouvais ça vraiment mignon. La deuxième paire de bas, c'est des bas de Bob l'éponge. Mais je sais pas pourquoi, mais cette fois-là, je trouvais bien gros sur le bleu. Fait que dans le fond, ça c'est des beaux petits bas bleus, avec des Bob l'éponge. J'ai rien d'autre à dire dessus, ils sont bien mignons, fait que... Merci, bonsoir. Les prochains bas, c'est parce que dans le fond, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui a des bas très ordinaires. Écoute, mes bas, ils ressortent tout le temps de l'ordinaire, ils ont pas des petits bas noirs simples. Fait que là, il me fallait quand même des bas assez, comment je pourrais dire, ben c'est ça, il me fallait un bas blanc, écoute. Fait que, ben dans le fond, pour la danse, je me suis dit, ben là, écoute, j'ai le goût d'avoir des bas longs blancs, unis, toutes seules. Tu sais, des fois, ça fit pas, là, quand tu mets des bas l'éponge avec un chandail orange, tu sais, ça fit pas. Fait que, dans le fond, j'ai décidé de prendre des petits bas comme ça qui viennent de chez Costco. Ça venait dans un gros paquet pour, je pense, 16$. Mais ça, fait que c'est des bas de Champion comme ça, blancs, avec du gris. Puis ben, c'est des bas, là, écoute, j'ai rien d'autre à dire, c'est des bas blancs, puis c'est ça. Les prochains bas, écoute, te dire que je présente des bas dans mon haul. Aïe, ok, on est rendu là. Fait que dans le fond, c'est des beaux petits Bob l'éponge encore une fois parce que écoute, moi je suis une tripeuse de Bob l'éponge. Le prochain bas c'est comme vraiment cute, je trouvais ça cute à cause de la couleur pis des dessins, fait que je les ai pris. J'ai pas retrouvé son jumeau, fait que je vais le présenter tout seul. Mais bon, ici c'est un bas rose avec des dés, tout ici. Donc c'est pas mal ça, j'ai rien d'autre à dire sur ce bas. Merci beaucoup. Fait que je me suis acheté une belle tuque orange flash comme ça. Puis pour vrai, depuis que je l'ai acheté, je capote. Écoute, j'ai mis une photo sur Instagram avec. Puis pour vrai, ben c'est ça, je l'adore. Orange flash, je suis pas du genre à acheter du flash. Je pense que la dernière fois que j'ai acheté une couleur flash, j'étais en secondaire 1. Puis j'avais un manteau genre rose flash avec une tuque rose flash puis un pompon vert dessus. Écoute, ça faisait longtemps. Le prochain item, dans le fond, c'est pas mal ça, je pense, qui m'a donné le goût de faire un haul. C'est grâce à cet item-là. Fait que j'ai acheté de quoi d'assez girly. Puis pour vrai, j'étais vraiment étonnée que ça me passe bien. Dans le fond, c'est un petit One Piece, comme ça, avec les pattes évasées, genre éléphant. Comme la dernière fois avec mon chandail évasé éléphant. C'est la même affaire, c'est une patte assez longue. Puis, ben c'est ça. Puis, j'ai rien d'autre à dire. Sérieux, je suis tellement nulle pour présenter des hauls. Oh my god! Pis l'affaire qui est le fun, c'est que, oh, hey, je suis vraiment mal cadrée, je viens de me rendre compte de ça, je suis vraiment désolée les amis, et voilà mon ami. Dans le fond, le détail de l'avant qui rajoute un petit quelque chose dans ce One Piece là, c'est qu'il y a des boutons à design, galaxie, aurore boréale, écoute. Fait que c'est ça, fait qu'il y a des petits boutons à l'avant, écoute, c'est vraiment cute, pis c'est juste parfait sur moi, fait que là j'étais comme, ben je peux pas l'acheter, il me fait bien. Pis pour une fois que je voulais un onesie qui était cute pis qui me faisait bien avec les jambes évasées éléphant, dans ce temps-là, j'en profite quand ça me fait bien. Je trouvais que ça fitait vraiment bien avec le One Piece pis tout, fait que j'ai pris cette ceinture-là. C'est genre une ceinture bien normale, c'est ça ici, ça fait un peu ma tente là, mais ça au pire je vais l'enlever là, mais bon. Pis dans le fond, je fais juste la mettre autour de ma taille pour resserrer un peu parce que j'ai remarqué qu'avec ça, ça comme, ça sépare un peu ma taille d'éléphant.
sang, puis mon petit torse de cure-dent. Je sais pas, ça faisait beau à place de juste une grosse straight line. Je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose au One Piece. Donc, je suis vraiment contente parce que ça, encore une fois, c'est girly, ça sort de ma zone de confort, ça me faisait bien comme un gant. C'est sûr que vous allez vraiment mal le voir sur la caméra, mais je vais insérer des photos. C'est un onesie noir comme ça, fait qu'évidemment, je risque de mettre des collants pour pas que ça soit genre nu-cuisse, malaisant. Fait que c'est à manche longue, il y a des petits brillants un peu partout dessus. Tu sais, c'est pas trop shine bright like a diamond, mais c'est genre shine bright like a cute diamond, finalement. Le prochain item, c'est des pantalons jaunes comme ça. À la caméra, il paraît vraiment genre orange, bizarre, mais en vraie vie, il paraît jaune pétant. Genre, c'est jaune. Puis, ben, c'est ça. Puis, sur le côté, il y a des checkers, des. Ça, là, un genre de quadrille noir et blanc qui était bien à la mode il y a comme 2 mois. Fait que moi, je suis comme en retard dans le trend, mais bon. Mais ça, fait que dans le fond, c'est un petit pantalon simple avec encore une fois la patte éléphant. Ben, ça, c'est comme une patte éléphant bébé, genre un petit éléphanto. Écoute, c'est pas trop évasé, c'est juste correct. Prochain item, là, on rentre dans ma section préférée et c'est les chandails. Le prochain item, il ressemble vraiment, mais vraiment à ça. Legit, c'est le même chandail, mais dans une autre couleur. C'est un col roulé. Noir. Parce que dans le fond, ok, j'avais comme toutes les col roulés pas possibles. J'avais le col roulé crop top, j'avais le col roulé bleu marin, j'avais le col roulé rouge, mais j'avais pas de col roulé noir. Fait que c'est là que je me suis gâtée, puis j'ai acheté mon petit col roulé noir. Fait que c'est ça, là, c'est un chandail col roulé bien simple, noir. J'ai rien d'autre à dire vraiment sur ça, là. C'est un chandail noir. Le prochain chandail, c'est un chandail que j'ai acheté en friperie, parce que pour vrai, friperie for life. Donc, c'est un chandail polo Tommy Hilfiger, dans le fond, avec genre une petite ligne bleue de même, Hilfiger écrit en blanc, j'allais dire en noir, ouais. Puis, il est quand même vraiment long. Puis pour vrai, je mets ça n'importe quand. Genre, n'importe quand. Fait que... c'est ça. Donc le prochain morceau, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo précédente de Noël. Et c'est mon petit sweater comme ça avec un petit zip ici. Je vous jure, j'ai pogné un gros trip ces colorés, je comprends rien de ma vie. Fait que c'est un beau petit genre sweater slash veste slash, on sait pas trop. Donc c'est pas mal ça, puis il est vraiment cute, c'est fait en laine, c'est vraiment chaud. C'est un beau petit chandail qui vient de chez Urban Outfitters, puis c'est au même moment que j'ai acheté mes bas. Je trippais bien gros sur le jaune bleu puis toutes ces patentes là. Fait que j'ai acheté un chandail qui avait les deux. Puis c'est un beau petit chandail caisse comme ça, il est tellement cute. Genre, si je pouvais le porter à tous les jours, je le ferais. Quand je l'ai eu, ok, je l'ai porté pour le coucher. La journée, le soir, le matin, la nuit, bref, je l'ai porté tout le temps. Je l'avais tout le temps sur moi parce que j'avais un gros trip dessus. Je mets ça en dessous, puis je mets ça par-dessus, puis c'est... wow! Fait c'est un beau petit chandail guess, puis pour vrai, je le regrette pas pantoute. Donc ce morceau-là, dans le fond, je l'ai trouvé en friperie encore une fois. Puis c'est un morceau qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui porte ce genre de t-shirt-là. Mais dans le fond, c'est une genre de camisole de basket un peu. Je suis pas du genre à mettre des camisoles comme ça. Fait qu'est-ce que je fais, c'est que je mets mon col roulé bleu marin en dessous, puis ça fait en masse la job. Ça fait pas mal le tour pour ce chandail-là, en fait. Pour le prochain morceau, c'est un item de friperie encore une fois. Et c'est un polo Ralph Lauren jaune comme ça. Puis il est pas mal un peu de la même couleur que l'autre. Puis dans le fond, ce chandail-là, je l'avais mis pour mon shooting photo de troupe. Puis j'avais trippé au bout. Puis vu qu'il est quand même assez long, je le rentre dans mes pantalons. Où je fais genre un nœud. Donc, le prochain chandail, vraiment, là, on est comme dans les couleurs primaires, secondaires. Ok, je suis vraiment dans des couleurs vraiment intenses dans ce haul-là. Et c'est un chandail orange comme ça, Nike. C'est pas mal la même couleur que ma tuque. Puis pour vrai, ça m'a pris 2 jours avant de catcher que le dragon, c'était le signe de Nike. Donc là, on est déjà rendu au dernier item, au côté chandail. C'est un beau petit chandail blanc, écrit Green Day dessus. En fait, c'est avec le groupe Green Day. J'adore ce chandail. Je l'ai directement mis après l'avoir acheté. Je pouvais pas. Finalement, on va passer au veste. En fait, j'ai 2 vestes à vous présenter. La première, c'est une fameuse veste de jeans blanche. Puis ben, qu'est-ce que je fais, c'est que je roule les manches comme ça. Fait que c'est une belle veste de jeans blanche, puis je suis vraiment contente de l'avoir achetée. Finalement, le dernier achat que j'ai à vous montrer pour ce haul-là, c'est une veste que j'ai achetée en friperie. Puis, dans le fond, la veste, c'est une veste bleue comme ça. Fait que ça, fait que c'est comme un genre de windbreaker avec 3 couleurs. En fait, ici, il y a le bleu, dans le zip, il y a le rouge, puis à l'intérieur, ici, il y a le vert. Donc, c'est pas mal ça pour ce beau petit compte-là. Donc, c'est pas mal ça qui va conclure mes achats. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous voulez voir d'autres hauls comme ça, dites-moi là dans les commentaires. Donc, c'est pas mal ça. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!